Il est 3h01. Et on va au Europa-Park! On attend le bus qui arrive à 4h05. On est à Genève. On va prendre l'Eurobus et on va s'en aller à Europa-Park. Ça fait combien d'années que je suis pas allée à Europa-Park? Je pense que je suis allée, ouais, en 2016. Et en plus de ça, j'ai fait pratiquement aucune attraction. Je crois qu'on avait fait un truc genre où t'es juste assis comme ça et ça fait ça, genre le tour un peu d'Europa-Park. Tu faisais de la peine. Toi aussi, tu faisais de la peine. Non, mais là maintenant. Ah, j'ai trop hâte. Aujourd'hui, on va essayer de faire le Silver Star. Je sais pas si j'y crois, mais je vais essayer. Voilà l'Eurobus. Et là maintenant, on va faire 5 heures de bus. Mais on va bien dormir. On sera bien là-dedans. On est très cosy là. Dedans. J'ai fait des tresses plaques. Tu sais que j'ai mis plein de lacs et tout, mais je sais pas si ça va servir. T'as hâte. Là, je suis dans les toilettes parce que j'adore tester les toilettes. J'aime bien voir si le PQ il est bien. En l'occurrence, c'est du PQ comme chez moi. J'adore. T'as un petit miroir, un petit lavabo. Oh, c'est trop mignon. On sera bien là pour le trajet. On se voit au moins. On est arrivé à Europa-Park. Silver Star, je vais essayer de le faire. Je me suis pris un poisson au chocolat. C'est la première fois que je mange ça de ma vie parce que d'habitude, c'est des pains au choc. Mais quel délice. Première attraction du jour, l'Euromir. On est dans l'Euromir. Non, t'inquiète, mais essaye de pas te pousser. Ah! Oh punaise de patate douce! Jesus Christ! Je sais pas comment je me sens là. Oh punaise! Pour le moment, je me sens bien. Ah, ça va! Je suis hyper à l'aise. J'ai comme l'impression que je penche un peu. Je vais t'en train de mourir! Je crois qu'on descend là. Oh non! Sans les mains! Je suis hyper à l'aise. Oh non, je suis mariée! Je suis la seule tempête qui a crié comme une grosse. Non, non, il y avait moi aussi. C'est parti pour le Silver Star. J'ai peut-être fait un arrêt cardiaque. Comment tu te sens? Pas bien, pas bien du tout. En plus, moi j'ai mon petit frère en charge là, je me sens pas très bien. Putain. D'accord, on monte là pour si jamais. Heureusement que je suis pas très consciente. Non, 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 je peux. Oh, courez pas s'il vous plaît. Courez pas s'il vous plaît. Elle nous demande ça. Elle nous a dit, la dame, choix entre premier rang ou dernier rang. On a pris le dernier rang et elle nous a dit qu'on aura plus de sensations. Amen. Je me dis pas que ça va reprendre d'un coup. Là on rentre à la maison, on rentre tranquille hein. C'est bon, ça allait tellement vite, ça m'a coupé le souffle. Je faisais ah, mais y'a rien qui sortait. On a fait ça, on a vraiment fait ça. Tu sais, par contre à un moment dans ma vie je me suis dit est-ce que je saute sans faire exprès. Je touche même pas le sol, j'ai envie de roter par contre, ça me donne l'euro. Tu vas bien? Moi j'ai plus d'âme. Mais vous osez pas faire le bouffailleur alors vous avez fait ça. J'ai quand même la tête à l'envers hein. Mais ça va vite. Celui-là il m'a fait beaucoup moins peur que le premier. Happy. Abonnez-vous. On est dans l'endroit grec d'Europa-Park et on est en train de manger. J'ai vraiment l'impression d'y être. Quand on me voit comme ça, on dirait vraiment trop que je suis en Grèce. En vrai tu peux grave venir ici et pranker tous tes amis en disant que t'es dans un autre pays. Je pense que tout le monde y croit. Et je me suis pris un gyros pita, des petites French fries. Par contre en vrai la queue c'est quelque chose. Une heure de queue. Je suis contente, c'est hyper bon. J'ai goûté la mayo parce que d'habitude la mayo elle est dégueu. J'ai de la bonne mayo. Ah. Parler trop vite. Non ça va, c'est bon, c'est immense. C'est si délicieux. J'aime pas des masses les oignons, après on pue de la bouche, non? Comment ça poulet? Toi aussi. Là il est 14h05. Je prie pour qu'on se sente bien et qu'on puisse faire d'autres trucs sans vomir. Le truc en bois ok, mais genre vraiment le looping là pour le coup j'ai vraiment peur. Là c'est 14h31 et on a un rendez-vous à 16h20 pour aller faire un truc de réalité virtuelle. En attendant on peut aller faire d'autres petits manèges. Ah de Jésus. J'ai peur là. Ah c'est quoi le délire? J'étais pas prête à monter moi. Oh non. Coucou le poulet. Non, non, il n'y a pas de mort en l'air. Tu... Ah oh, non. Par contre ça m'a fait bader le fait que ça monte comme ça. C'est combien une photo en vrai? Je la prends comme souvenir. 0,50. J'ai acheté la petite photo. Incroyable. Elle est trop drôle. Et là on va faire un manège qui est en bois. À tout moment ça craque, on tombe et on meurt. Et ça j'ai envie de te dire, à tout moment, ce tout moment il y est depuis ce matin. Surtout avec le Silver Star. Je l'ai trop bien vécu. Oh ça pue là. Ça pue hein. Là j'ai clairement peur là. Là pour le coup je stresse. On va faire un manège en bois. Et c'est que du bois. Ah mon truc il tient pas là. Amen. Quoi? Je veux pas mourir! Le bruit de zinzin, wesh! C'est du bois, oubliez pas, le bois, il pleut! Ça moisit! Yippa!
J'ai pas crié, hein. Je suis trop forte, c'est tout. Je l'ai fait, les mecs. Je l'ai fait. Et je suis vivante. Même que j'ai gardé les yeux ouverts tout le long. Allez, salut, c'est fini, là. On est sorti du manège en bois. Je crois que je me suis vraiment fait un torticolis. J'ai trop, trop mal au cou. On est Yann, Bissi. Ça va, toi? On nous a tamponné à l'entrée pour qu'on puisse revenir à Europa Park. Et là maintenant on va dans un truc qui s'appelle You'll Be. T'as des lunettes en gros et tu vois un truc virtuel. C'était incroyable, si, j'étais tellement stylée. Je devais le truc et je chantais pas la barrière et j'ai senti on m'a fait comme ça. La personne du coup elle me remettait ma main sur la barrière. Mais attends, j'arrivais pas à comprendre que c'était une vraie barrière. C'était si stylé, j'ai trop aimé, on s'en va. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à vous aussi. À refaire. T'imagines si on fait le truc avec l'hélicoptère? Parce qu'en gros, apparemment, il y a un hélicoptère, ils ont une plateforme qui bouge comme ça. Ce serait incroyable. Je pense que tu te déséquilibres trop en vrai. Ok. Elle m'écoute pas. Okay. Ouais, voilà, voilà, vous. Nous, on est très vieilles pis, on est comme ça. Mais on a les moyens, il faut se le dire. Yeah! Yeah! On trouve pas l'arrêt pour rentrer là. Maintenant, c'est un peu moins marrant. Il grêle là. Vraiment, là, il grêle. Et on attend ce petit bus. On y aller. Là, on est dans une petite boutique de souvenirs. Il n'y a pas des trucs que je kiffe. Ça peut être original, le petit sac, là. Oh, les casques à visière plate, là, ça fait longtemps. Je pense, dernière fois que j'en ai eu une, j'avais 16 ans. J'en ai 20. Non, non, c'est faux. C'est une fake information. J'avais genre 12 ans. Piou. Il a été chaud. Il m'a vaincu. Ah, c'était cringe. Voilà, désolé, je suis dans le bus là. J'ai ma petite part de pizza, j'en ai mangé une sur le chemin. Elle est bonne, cette pizouille. On est vraiment bien dans ce bus, purée. J'ai trouvé mes 7 journées. Moi. Si tu devais donner une note sur 10 de cette journée, tu donnerais quoi? Moi je mets un 10 sur 10, hein, parce que franchement je suis fière de moi, je pensais pas faire autant d'attractions. Moi je mettrais un 8-9. T'es fière de moi? Ouais, très. Tu pensais que j'allais pouvoir? En soi, oui. Tu sais, je sais que t'es. Genre comme t'as dit, tu sais, t'as pas la notion du danger. Du coup, je sais que t'allais le faire malgré ouais. tout. Ouais, ça oui. Meilleur manège. En vrai, ils sont tous différents, ouais, ils ont tous leurs petits trucs, tu sais. Elle a pas fait le Blue Fire, si jamais. J'ai mon couteau suisse encore. Mais en même temps, t'as la tête à l'envers et tout. Moi en fait, j'ai le vomi facile. J'ai pas du tout envie de vomir parce que j'ai très peur de vomir. Et après, nous vomit dessus en plus. T'imagines? Tu penses que c'est déjà arrivé que des gens vomissent sur les autres? Bah oui, je pense. Et je pense que toi, tu pourrais trop le faire. Genre en mode. Autant tu dis. En live, en direct, on a tout vu là. C'est filmé. Ah, et elle le cherche maintenant. Ah mon dieu. Je dirais le Silver Star, c'est stylé parce que c'est vraiment. T'as de la pression. Le truc en bois là, le bruit te fait peur. Et il va assez vite quand même. Ouais, il est amusant. Au Romire, ça tombe beaucoup. Du coup, c'est ça le truc spécial. Genre tu t'attends pas forcément à tout ce qui va se passer. C'est mon débrief là, t'aimes pas trop ce que je débrief ou quoi? C'est pour ça que le remis, moi, après on s'est retourné et toutes les autres descentes là s'est fait niquer. Tu parles bien, s'il te plaît, sur YouTube y'a plus de gros gros mots. Si, après les quelques minutes. Ça va alors, tu peux te lâcher. Bah les couilles. Puis là j'attends. Je voulais dire quelque chose. Dis-nous. Mais j'ai oublié. Abonnez-vous. Mais pour le Silver Star je voulais dire que je me souviens. Aussi du coup, faudrait tester une fois en étant tout devant pour voir la différence que ça fait. Je pense que ça me fait trop aller. Ouais, ça ferait. Je pense que heureusement on n'a pas fait devant. Ouais. Ouais. Mais dans tous les cas, ça me faisait peur parce que je me dis, tu sais, t'es devant, tu vois tout. Et de derrière, la dame, elle nous avait dit, tu ressentiras bien plus ces sensations. J'avais trop une pression. Ouais, ouais, la même. Et devant, tu sais, tu dois tellement te dire que tu vas te cracher. T'es le premier qui crie en fait, c'est ça le truc. J'ai bien aimé. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. C'est cool le robus. C'est cool le robus. Merci le robus. Merci au robus.